Alors, rebonsoir tout le monde, me voilà de retour pour cette soirée sur Sanka. On va aller de suite. Il va falloir bosser, enfin, on va essayer de bosser, je sais pas ce que l'OG a prévu. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose là. Mais quoi? Balance. Il y avait la case pour le pic qui était entouré normalement. Il manque quelque chose là. Je sais pas ce que c'est. Et bonsoir tout le monde. Bizarre. I, mon petit chat, tes griffes, ça pique. Merci. Qu'est-ce que ça fait de beau? Eh, salut! Ah, très bien, et toi? Ça bosse un petit peu? On va prendre la voiture de Jaws. Déjà. Ah mais putain, si c'est bon, je sais ce que c'est. C'est le chiffon qui manquait, j'ai utilisé le dernier tout à l'heure. Je savais bien qu'il manquait quelque chose. Oh là là, hé, le chat, tu m'embêtes. Allez, mets-toi bien. Oh, pas possible. Allonge-toi bien, là. Ouais, jouer avec un chat sur les jambes, c'est compliqué. On va prendre les sacs, on va aller les vendre. Comme ça, on part à zéro. Zut. C'est ça que je voulais faire. J'ai encore de la place. Déjà? D'accord.
Let's go. Treize. Alors, là-dessus. Ah, purée, terrible. Donc on fait plus de 10 000. Oh, c'était les pompiers. On fait peur. Cent trente-trois, cent six. Bon, bon alors, on va aller se faire quelques sacs. On va essayer. Vu l'heure, il est possible que les policiers soient en train de manger.
réfléchis qu'il faut se mettre. Zut. Ah oui, mais non. Si ça se trouve. Bah oui, mais non, je vais pas faire un camion. Bien sûr que non, je vais pas faire un camion tout seul. Ouais, bon, comme une boutique. Ça c'est du Senora Freeway, je pense. Oh non, le joystick, j'en peux plus. Oh, Palomino. Peut-être plutôt la Palomino Freeway en fait, vu l'endroit où il me fait passer. Salut. Hello. Bon, comme d'hab, j'ai rien entendu. Oh. Hello. Oh, Dieu. Ouais, elle nous a fait un petit rang aussi, elle. Extraordinaire. Moi, je faisais un sac. Il y a des keufs. Faut croire, vu que j'ai pu faire un sac. Je crois qu'ils ont vu que la partie, il était un peu cassé. Bon, il y a des chances, ouais. Isa. Il y avait une voiture de flic avant de voir le braque du père. Et je suis arrivé et il n'a pas cassé le parcours. Alors, s'ils sont partis du Black Lantern, on va faire un demi-tour, nous. C'est rien, c'est un petit. Bienvenue au Black Lantern. Je vais à l'hôpital, j'arrive. Et tu vas prendre des trucs de merde. Putain. Je
Si, je sais ce que je vais faire. Je vais aller me chercher un masque pour notre tenue. Ouais, il faut aller au magasin de vêtements d'abord pour retirer le casque. Ouais. Pas cela que je vais prendre moi. Prendre mon Ignus. Tu as magasin de trucs pour un plus. Patrouille devant l'unicorne avec deux agents. Ouais, faut que je fasse le plein bonjour aussi. Ah.
ça, t'es pas encore stabilisé. Ok, après qu'il est fort, hein, il va et comme moi je sais qu'il va se réveiller, qu'il sera encore plus fort qu'avant. Avec un œil en moins. Et qu'il te tout bas, t'es rendu plus fort. En fonction de l'œil, il aura plus besoin de le fermer pour viser. Si c'est le mauvais, c'est chiant. Ah, oh, putain de joystick. D'accord. 5 dollars, 50 dollars alors que j'ai rien acheté. Ouais, hop, on fait ça et on va aller supprimer l'autre tenue à l'Amazon. Le chat. Mais t'es sur tes commandes là. Bouge. Mais non, pas chat. Oh là là, terrible. Je peux pas jouer tranquille, c'est terrible. C'est ce que je me disais, j'ai le plat rue. Qu'est-ce que tu fais? J'ai failli mourir. Ah ouais, fais gaffe, hein. Portrait de merde. Salut. Bon travail toi. Reste là. Aucune idée. T'as fait très bien. Parce que je sais pas ce qu'on a fait depuis samedi, mais pas grand chose. Hier, ça pue la merde. Ça la compte à sa mère. On a pu accéder à Fanta. Qu'est-ce que t'as fait? T'as tout cassé? Ah non, justement, j'ai rien fait pour l'instant. On ne casse pas, ouais. Elle est où la compta? T'as pas dit bien, Flex? Non. C'était pas une question,
toute une information. Non, parce que hier je suis arrivé, on est parti faire un feu d'artifice directement. Oui. On avait fait quand même un petit peu de sac. Hein. Pas beaucoup, mais un petit peu. Allez. Et tu bouges plus. Tu te couches, tu bouges plus. Hein? Hein? Quoi? Quoi? Pourquoi tu dis ça? Qui ça? Bah toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Bouge, bouge plus, tu bouges plus. Bah tu bouges plus. Bah voilà, tu bouges plus, c'est tout. Ok, voilà, je bouge. Quoi? Il a bougé. Merde, j'étais pas mute. Vas-y, j'allais faire mon tour du son, du coup. Hein, petit chat? Tu me fais dire des trucs. Ah bah il manque une porte peut-être, non? C'est jazz. Comment ça c'est jazz? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui. C'est la réfraction de porte. Ah d'accord. Il faudra la réparer. Oui, il y a pas de garage. Ah c'est dommage ça. Ah bah oui. Oui. Bah, moi, il y a le cache-car. Hein. Cache-car ouvert. Oui. Ça fait loin. Mais après c'est pour une porte quand même. Ça vaut le déplacement je pense. Ça y est, t'es là, content? Oui. Impeccable. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? Bon, on peut faire des sacs en attendant qu'ils nous donnent un contre-ordre. Je vais jamais me rechanger. Comité du slap. Suite à la lettre anonyme, le slap a décidé d'y répondre, de trouver leur communication. Ouais, d'accord. C'était la lettre au gouvernement. Ah oui, je dois faire ça aussi. Alors. Ouais. Celle-là, hop là. Merveilleux. Let's go. C'était bizarre ça. Ah, je vais lancer un sac. Vas-y, je vais avec lui. Ok.
faire un petit plein aussi, non? Je crois que l'autre a touché la voiture, mais... J'ai vu la voiture se décaler, mais j'ai pas entendu le son de l'impact. Bah ouais, moi non plus. J'ai cru que c'était moi pour un moment. Non, je crois que c'est lui qui l'a tapé. Voilà. Mettre dans l'autre sens. Ma main. Voilà. Comme ça, on est pas mal. Par où il va? Il va vers Forum. Ok. Celui qui arrive à Forum. Ouais. Là à gauche. Il est tracé. Ouais, là-bas au bout. Oh bah d'accord, bon. Notre feu était passé au vert, mais il a pas avancé. Pas super. T'as vu déjà de ce que t'as fait à ma voiture là? Alors, ils comptent avancer un jour? Ouais, je sais pas. Et ils n'ont pas des préférences, hein, c'est n'importe quel oiseau. Ah, le feu vert? Allez! Pas fort, ouais. Non, mais le feu, il est déjà là, c'est quoi ce délire? Au pire, fume-le et je lui passe. Ouais, oh, elle a avancé. Oh, bah voilà, au moins il a bougé. Il s'est fait pitié sévère pour la voiture. Hein. Ah, bah ouais. Au final, il est parti par là, d'accord. Parce que, surtout pour lui, parce que la dernière fois, il a tiré. Il a pas regardé devant lui, il a foncé sur une voiture. Ah, bah je crois que c'est bon. Hop là. Ouais, c'est ça.
Mais Echo et moi on est dans la même voiture. Ah je crois que j'étais. Voilà, ce sera mieux. C'est bon. Let's go. J'ai un sac. Où on va aller? On va aller assurer dans la grotte. Tiens. Pas qu'on est en alerte 3 en ville. Ils vont quand même pas canarder sur des cyclistes. Voilà. Écoute, ils ont bien peur sur les belteuses. J'ai une machine d'être avec à partir de l'heure. Ouais. On va moins rigoler ouais, quand ils vont nous tuer. Si, justement, on sait jamais. Tu vas pas commencer à faire demi-tour. Ok. Bientôt fini. Bon, bah, je vais faire demi-tour à la prochaine à gauche. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Ok. Et merci Oni pour le raid. Oh bah, il m'a fait peur lui, regardez pas. J'espère que ton live s'est bien passé depuis tout à l'heure. Et bienvenue à vous. Là on est en train de se faire des petits sacs. Ça sent. Comment ça sent? Ça fait de la sup là, non? Dommage, j'ai plus. Non, ça devait pas être moi, ça devait être Razmo. Mais certainement avec cette voiture. Ouais. Mais que tu es sûr que tu vas aller tout seul et que tu veux pas qu'on vienne avec toi. Pour le moment, je le chasse. Il sortait du mécano, toi t'arrivais et paf. Ouais, donc oui, non, c'était pas moi, c'était Razmo. Mais c'était bien avec cette voiture. Pour l'instant, on a une voiture.
pour que ça. Et que vous êtes déjà en mission pour Mathilde? Non, mais on va y aller là. Ok, du coup, je vais attendre que vous y soyez. Ah, oui, bah, on est à côté de toi. Attends, il a énervé Jeanne. D'accord, bah écoute. Tu payes. Tu veux pas y aller? Mais il va pas, je crois qu'il va y aller. Non, je crois qu'il va après nous. Elle était à la limite de plaquer le mécano car elle a cru que c'était lui. D'accord. Quelle violence. On a une boutique. Alors allez. Bah attends, dans ton quartier, peut-être que c'est pas sûr. Sécurité, même avec l'alerte 3, il y a eu des demandes de renfort. J'ai décidé la Cyrus pour hier soir et pour aujourd'hui. Alors, pourquoi la Cyrus seulement, je ne sais rien, mais ouais, il y a eu des demandes de renfort de cette. Oui, bah qu'à la Cyrus, il reste pas dans mon village, je ne veux pas finir toutes les balles. Ah, moi aussi, je leur dis rien, c'est leur, ils savent dans quoi ils s'engagent. Bah, attends, est-ce que c'est la Cyrus qui va aider la police ou que c'est la police qui aide la Cyrus? Non, apparemment, la police a fait une demande de renfort pour hier soir et potentiellement aujourd'hui pour, une, pour du renfort de la Cyrus. Oh, ok. Bah, c'est peut-être pour ça que tout à l'heure il y en avait un qui était pour un avis de police qu'on a vu là, avec la voiture. Ça, ça m'a l'air d'être chiant, non? Ça va être chiant, oui. Non, après, t'as les enquêteurs hein, qui sont comme ça aussi. Hein. Ah, un petit passage devant. En tant que policier. Là, il y a notre madame, mais je vois personne dans la boutique. Ouais. Moi, je vais entrer, je vais les voir. Hein. Ouais, attends, je vais me regarder. Ouais, je vois personne là-dessus, mais. Madame. Ah, elle est. Alerte niveau 3. Hein. Concours de pêche, ouais. question, l'essence de prix l'a baissé ou pas? J'ai une idée. J'ai pas fait attention. Attends, j'ai tapé, je parle par le plan là. Non. Eh non, toujours aussi cher. Ok, moi j'étais sûr d'avoir 30% qui ont payé 60. À mon avis, peut-être que j'étais à 60 et j'ai payé 60. Non, mais il y avait personne à la boutique. Bon, bah écoute. Peut-être qu'il était en train de faire des emplettes et qu'il a pas vu, il avait très soif, très faim. Je sais pas. Peut-être qu'il y a une boutique à côté. Peut-être. Il est au niveau des. Où on va aller? Qui oh, l'autre tête, c'est terrible. Il vient en direction des propos. Encore un peu loin du quartier là.
Après c'est pas grave, je vais le tuer. Attends, ah oui, il y a un camion, ok. Je suis monté à Paléto. Paléto, oui. Ah, j'entends les sirènes. Ouais. Oui. Vous êtes à combien de packs là? Là, c'est le deuxième. Non, on troisième. Le deuxième, on a la voiture déjà derrière. Non, j'en... oui, j'en ai... Oh là là, oh, c'est abominable. C'est tout. Et ça, c'est où? Si tu veux qu'on les fasse chier, je suis armé encore depuis hier. Mettez-vous tous en tenue, on va en attraper. Et j'ai descendu le camion, du coup. Aide brigand. C'est ton camion, oui. D'après toi, combien de fois je vais pouvoir lui faire faire le tour du pâté de maison? Après, de toute façon, je dois attendre. Vous êtes tout seul? Non, au kilo. Je vais vous demander deux. Ah non, sur deux. Non, sur deux. J'arrive. Ah tiens, on va changer de pâté de maison. Allez. Attention, madame. Ou monsieur. On a une voiture de la base militaire qui s'arrête. Ok. J'ai plus le GPS, est-ce qu'on essaie de les semer ou pas? Ouais, ouais, essaye de les semer, il y a la militaire dedans, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Pas sûr que les militaires suivent. Faut qu'ils étaient là au cas où. Ouais. Possible. J'ai pas l'impression que la base militaire suit. Bon, bah je crois que je les ai semés. Ouais. Si vous avez fini, vous allez vous mettre en vue. Full black. Pas où je vais, moi. Par là-bas. Bon, mais en face, il me trouve pas d'avoir des tenues toutes noires. Tu veux que j'aille changer mon masque au GG? Ouais, faut changer le masque aussi. Bon, mettez un casque. Oh zut! J'avais remis le même masque que Jazz parce que je le trouvais trop stylé. On est en train de tourner au niveau de l'ancien Ouro et on revient en direction côté Forum. Enfin, qu'on a fait le tour et devant le Ouro, c'est bon et on donne au coup. Faut pas que j'ai peur. Bon, autant ranger cette voiture là, ici, non? Là on va direction autoroute, il est en train de rentrer sur l'autoroute direction nord. Ah, vous avez un coffre au cul? Ah non, je crois que c'est un camion qui suit. Paf. C'est sur la Puerta Frigo là? Si. Passer à côté de Little Seoul là ou pas? C'est bon, on a récupéré le coffre, les... On fait les bouteilles dans les camions. Non, il était vraiment sur la freeway. Et... Oh merde. Il y a des keufs qui arrivent. Vous êtes où? Sur la freeway, côté hôpital. Moi je continue direction à Enor. Vous brouillez, vous pouvez
voiture noire et on va les choper. Après que j'ai personne encore hein, sur moi. Papa. Ils vont pas tarder. Mec, t'as 50 ouais. À me dépanner, s'il te plaît, j'ai pas. Ouais. Je vais te donner ça d'abord, ce sera plus simple. Ouais, parce que Roy, tu veux qu'on a un casque noir, je vais mettre un casque noir. Ouais, bah pareil, en fait, j'avais fait le changement avec ce joli masque d'ailleurs. Merci. Mais ah oui, bah ça je... passe bien comme ça. Bah ouais. Tant pis, je vais mettre le casque. C'était 50 et des bananes, je crois. C'est ça, 5 et 4, je pense, si je me trompe pas. Ah, 50, il y a le full noir avec vitre. Ok, je le vois dans le rétroviseur. Et de quel côté? Je suis toujours en direction du nord, et je viens de passer les passages qui donnaient la pour aller à l'ancien garage. Je mette un foulard, moi, parce que j'ai mis ton coup. Après, tu me dis où c'est que tu veux que j'aille, et que je vais. Tourne dans Sandy Shore. S'il te plaît, et on va retirer. Les autres, vous en êtes où? Voilà. Parfait. Moi, je suis derrière toi, mais je vais faire un stop à rapide, j'en ai peut-être. Et une voiture de flic qui vient de faire demi-tour. Elle est toujours derrière toi, la voiture. Si. Tu viens vers Sandy Shore là? Si, je viens de sortir de la scène d'autoroute et que là je me dirige vers Sandy. Les gars, vous en êtes où le reste de l'équipe là? J'ai besoin d'infos. Allez, où? On peut changer, on le met, moi je suis prêt. Là, on change de couleur. Ouais. J'arrive à la station de service. Ouais, bah, grouillez-vous, parce qu'elle va pas aller tirer 15 ans. Est-ce que tu veux qu'on prenne un véhicule pour Pete? Non, pas besoin de Pete, juste des véhicules noirs. Vous prenez Revolter ou Jugular, comme vous voulez, si vous avez accès. Ok. Si vous n'avez pas accès, vous prenez Contender, mais vous prenez des véhicules noirs, c'est tout. Prenez pas Contender. Hein. Pourquoi pas le Contender? Ah. Je voulais essayer de conduire avec ma tête mal aussi, c'était pas une bonne idée, oui. Y'a pas de munitions là-dedans? Ah, c'est terrible. Oui, ils se sont arrêtés. Ils sont dans Sandy Shore arrêtés. Ils sont où dans Sandy Shore arrêtés? C'est derrière un peu le poste de police. Au niveau du tatou. La route qui est juste derrière. Ils sont combien dans la voiture, tu sais? T'as l'info ou pas? Non, que j'ai pas l'info. Là, ils vont aller à la station de service. De grappes vides. Et ils sont en train de faire le plein d'essence. Vas-y, sors la révolter. Oh, la Jugular, ouais. Oui. Elle est partie avec la voiture, Echo. Midnight avec moi. La Shafter. Ok. Dans le véhicule. Ok, il repart. Et... il repart direction Gomitaria et Sandy. Je te vois. Non, derrière, je vais oublier l'autre. T'es calibré, tombé? Ça va bien. Non, non, que tu veux que je les suive encore ou que tu penses que c'est déjà au début? Non, mais là de toute façon on est deux calibrés, donc deux avec des 4 croix, ça sert à rien. J'arrive sur la centrale trouée avec le docteur. Il y a une bagnole qui vient de passer pour l'aéroport de Sandy. Ouais, c'est. On est pareil sur la zone arrière. Descendre, on a vu que les croix sont à
Ouais, j'avais oublié ce détail là qu'ils avaient foutu un panneau ici avec plein de piliers. Ah ouais. Non, j'ai le plus à gauche là. Ouais. On les a croisés. Ouais, ils ont mis les gyros. Ils ont mis les sirènes. On va faire demi-tour là. Ben, y'a un monde, le mec de derrière moi, j'arrive à faire un guet en portée. Toi, mec, tu vois pas que j'arrive là ou quoi? Je vois pas que t'arrives maintenant, par exemple, mon dos, c'est un avant déjà. En plus que c'est comme aussi, hein, que c'est celui qui est derrière qui doit faire attention, pas celui qui est devant. T'as tout cartonné au moment où t'as fait tout cartonné, ouais. Bah après, si c'est calme, ça passe tout comme ça. Ouais, il est dans la radio. Ouais. J'ai vu une dinguerie de toute la route. Ah ouais? C'était bizarre. Hop, on va patrouiller. Quoi? J'ai pas tout. Hein? Parce qu'ils m'ont fait un petit détacu et donc je crois pas que c'est boulot et du coup je vois quelle voiture elle est pointe donc je vois les étoiles étonnées. J'y suis là. Normalement ils avaient un phare en moins, peut-être moi qu'ils avaient eu garage. Peut-être, ouais. Mais ils ont mis les gyros donc à moins de. Ils sont partis en intervention. On va peut-être aller voir ce Mirror Park. Par là-bas. Après quand on les a croisés, ils avaient les gyros, hein, comme ils ont eu une intervention. Un scout. Ils sont tous seuls. Ils sont deux dans un scout. Nous, ils passent sur de Mirror, ils vont certainement redescendre en direction de Boulangerie. On m'entend bien en radio, parce que j'ai l'impression que ça peut être de ouf. On entend bien. Il y a un autre scout qui est en train d'arriver à Miron et une autre bagnole. Deux voitures. Alors il y en a qu'une autre qui est là derrière. Et il y en a une idée qui part du garage maintenant. Le scout passe devant le coiffeur. Direction Miron. Dans la rue derrière. C'est bizarre ça. Ils font le tour du côté de maison depuis tout à l'heure. On va faire le plein. Fait
garé à la bouche ukrainienne. Ah, oh, j'ai plein de pompes. Ah, voilà. On est à la station de Miro, non, on doit pas venir. Ah, le scout il est passé juste devant. Il retourne vers le... la station. Au moins 3 fois. Non, mais il y a un scout de garé juste à... Elle est bizarre sa patrouille là, scout. Et d'ailleurs, bon, après, peut-être que ça n'a rien à voir, hein, mais que avant, il me semble que je veux tourner de nouveau et la même moto sur laquelle était la, la chica journaliste d'hier. Mais après, ça n'a peut-être rien à voir. Il est où le scout garé, les gars? Juste au-dessus du Yakalelo sur la route. Ok, donc c'est pour ça que le deuxième se dit patrouille de la même manière de tout à l'heure, je pense qu'il veut nous emmener à... L'autre force nous a capté, il vient de faire un bon show dans Miro. Ouais. Il n'arrête pas de tourner dans Miro. Ah, je pense qu'il veut nous... Il a fait un tour sur le haut du corps, pour, du cœur, ouais, pour retourner à la station. Je pense qu'il veut nous emmener, il veut nous emmener vers l'autre. Je passe à côté, il faisait des calls radio, donc... Il y a un monde où il a prévenu que ça tournait autour de lui. J'ai rien entendu. Quand on ça tourne autour, un truc comme ça, ça tourne toujours autour. Truc dans ce style. Il y a une autre voiture de flics qui arrive sur le mur. Ah, il y en a deux là qui remontent dans le... Ouais, non, bouge. Mais, je les ai pas touchés là. C'était Kilo qui était là-bas ou quoi? Je sais pas, j'ai pas capté. Je sais pas. T'as le scout qui redescend doucement direction Miro Sud. Et qui vient de faire demi-tour. Moi je suis en train de faire le plein. Ils sont en train de m'observer. Puis un petit peu les... Ouais. Et où? À gauche? Je pense. Oui, bien sûr. Ouais, bougez de la zone, ça sert à rien. Il y a encore une autre patrouille qui arrive. Il y a deux buffalo et deux scouts. Bougez, ça sert à rien. À la limite, mettez-vous sur les zones pour surveiller les sorties de Mirror Park. Il y en a pas 10 000. Il y en a un qui se met au croisement de San Andreas Avenue, un ou deux au niveau de croisement de San Andreas Avenue, et deux, trois au-dessus, au niveau de Bridge Street et Mirror Park Boulevard. Je suis sur la Glory Way là, il y a le pont. Il y en a un qui sort justement. Un scout qui sort. Et motard et BF 400 tout en noir, qui était très un agent de police qui tourne pas mal. Et c'est le Walker. Comment tu sais ça? Et que c'est Pat qui vient de me le dire. Il y a une chelou qui prend le pont vers la place du Puma. C'est Pat qui vient de te dire que là...
là c'est Walker sur la PS400. Et si quand tu sais qu'il est sur une PS400 en tout en noir et qu'il tourne pas mal et qu'il est partout et en ville. C'est un flic ça? C'est un flic. C'est le capitaine. Le pit. Le capitaine. Mais je crois. Ah non, pas besoin de le pit, t'es fou pas en moto. Un écrasé pour aller écraser, non? Voiture militaire vers l'ancien commissariat de Mirror Street. Ceux qui sont au café avec le scout vont partir, mais je sais pas s'ils sont tout seuls. Ah ben, il y a un scout là-bas en face. Ah, il y avait une Buffalo avec nous. Non, elle est avec son mirage là. Non, il est toujours là-bas en face. Du coup, il est toujours dans Mirror la Buffalo. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, la Buffalo elle arrive vers moi là, vers Glory West. Je sais pas. C'est le scout qui est parti tout à l'heure là. Je l'ai croisé même. Il repart vers l'ouest. Il est en face, il est parti à gauche. Ah bah d'accord, c'est que la police militaire qui a arrêté quelqu'un je pense. Il n'y a plus rien dans le Mirror, vous pouvez plus. Il descend de la droite là, non? Non, vraiment, si tu continues, il va être fort. Je crois qu'il est parti. Il est en bas. On a droite vers l'ancien Gouve. Ouais, je l'ai direction. Ouais, il va vers le PDP. Hein. Ouais, il va aller vers le PDP. Nous, on voit un scout partir vers le PDP. Parti à gauche là-bas. Ça fonce, freeway changeur G6 au-dessus. Il redescend. Je peux les partir. En fait, ils sont sur le côté, ils m'ont vu, je pense. Je peux les partir. G6 c'est la gauche. Non, c'est pas la gauche. C'est pas très loin. Oui, c'est là-bas à gauche. Est-ce que là vous avez beaucoup d'informations à dire ou je peux faire une petite explication de ce qu'on m'a dit? Vas-y, vas-y. Et que là, justement, que j'ai parlé à Pater, son groupe, et que je leur ai expliqué pour le rêve. Et bon, déjà, que j'étais désolé, et qu'ils ont dit que s'ils pouvaient faire quoi que ce soit, qu'au pire, ils étaient là, et qu'ils pouvaient aider pour une chose ou une autre. T'as parlé de qui peut aider? Le groupe APAT, là, les nouveaux, et Strider, on va pas les embarquer okay, dans, sinon. Ok, d'accord. Dans nos histoires. Et que c'était tout. Vous avez suivi le Giro direct enquête. Moi, ouais, je suis dessus. J'allais faire le plein Clinton. Il y a une deuxième unité de police qui suivait, qui est toujours au niveau de Mirror Park, sans Giro.
lequel là-bas? Le scout à gauche. Ils sont à l'arrêt, je dirais tu vois. Ah, ils tirent dessus, c'est peut-être pour ça qu'ils sont à l'arrêt là. Bon, j'allais faire le plein. Et il faut que je sorte un véhicule spécial. Véhicule noir. Ah oui, il est vrai que. Attends, faut que j'arrête des sous moi. On sait pas grand chose. Ouais, le demi-tour dans la station essence là. Attends, bah, je il a dit il y a 4 voitures de tourne. Ouais. La Buffalo en face, c'est pire. Ouais, mais c'est que là j'ai. Attends, j'ai mis que 4% pour 20$. Ah ouais, l'arnaque. Tirer des sous pour faire le plein à fond. Bah ouais. C'est qui le mec en BF-400 déjà? Techniquement c'est Walker le capitaine. Station de Clinton là. Ouais. Bon, on va retourner sur plein. On va essayer d'aller mettre de l'essence ailleurs. Là. Si on est trop à Clinton, ça va être vraiment suspect. Hein. Ça va mieux. Ouais. Ouais. Ouais, juste en dessous, il y a deux voitures de cœur. Ouais, il y a un scooter de remonter aussi. Il y a 4 unités avec 2 personnes dedans, sans compter les potentiels véhicules qu'on n'a pas vu. Donc, décrocher de cette zone-là. Ou alors tourner pour faire un peu de pression qu'ils voient des véhicules noirs. Non. Après, il y a la police militaire qui tourne aussi. Hein. Faudrait faire un. Faudrait faire un braquage à l'autre bout de la ville. Il y en aura au moins une case détachée à aller là-bas, non? Il y a des chances où elle va venir au moins 2 unités là. Vu la pression qu'ils prennent depuis tout à l'heure. Hein. Oh là là, mais c'est infernal ces stations essence. Hein. Ah, c'est relou, hein. Ah ouais. J'ai dû faire un pas pour la mettre de l'essence. Abusé. Reste là! Arrête un peu! Couche-toi! Tu saoules hein? Allez, pose-toi! Non! Allez! Le scooter tourne sur Eclipse Boulevard direction la banque. Ouais, il y en a encore, il y a 2 unités qui sont là que vous. En stationnaire plus le. Ah ok. Il y a une unité qui rentre dans son véhicule. Le buffalo qui vient vers nous, le scout qui s... Le buffalo qui vient vers nous et le scout qui s'est garé là-bas. Ah bah non, bah les deux sont garés là.
On se gare en face, donc le scout s'égare à côté. Il y a la BF à gauche là. Ah, il y a trop de personnes. Ok, ils m'ont repéré. Putain, j'ai cru qu'il allait leur foncer dedans. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. T'inquiète pas, je suis en moto, je vais les semer en 2-2. Il n'y a qu'une unité qui me suit, donc à la limite, essayez de me rejoindre du côté du Unicorn. J'ai une Ouais, il était devant, il y avait un buffalo et... On voit le buffalo derrière la... la B12. Pourquoi tu joues? Je crois qu'ils ont cru que c'était toi. Il y a la BF400 là, non? Devant. C'est pas à nous hein, la BF400 là, noire. Non, ça c'est sûr, c'est pas. Pareil. Voiture au niveau de la petite. Mais. Et casse les couilles là. Ouais. Quoi le délire là? Une idée, mais chez nous. C'est pas chez nous. Je crois que c'est pas Kilo. Est-ce que c'est chez nous? C'est pas Kilo. Non, moi je suis en train de rouler. Il y en avait un chez nous qui était avec une moto. Midnight? Non. Oh, mais toi, je crois pas. Il y avait pas Midnight? Il était avec une River Midnight, c'est pas une Midnight, c'est pas une River qui était seule. Midnight, si c'était t'appelles Midnight. Ça doit être Midnight. Bah, le problème, c'est que Midnight, j'ai entendu dire aïe. Ouais. Midnight, il est avec quelqu'un là? Pas avec nous. Widow. Non, moi j'étais tout seul. En passant sur la, l'autoroute au-dessus, on peut pas voir. Buffalo sur la page YouTube. Si, si. Ouais, c'est lui. Pas le choix, j'ai entendu dire oh merde, un truc dans le genre. Hein. La Buffalo, elle est toute seule? Je sais pas, elle a quitté la place des cubes, elle est partie vers l'ouest.
mais c'est bizarre, il y avait deux unités mais avec deux agents seulement, non? Pas fait attention. Il me semble qu'il y avait la femme aux cheveux roses là, devant la Buffalo. Et deux agents autour de Midnight. Je suis pas sûr à 100%. Femme aux cheveux roses, c'est Cyrus? Non, t'as une cheveux rose violet, cheveux rose violet au flic là, je sais pas comment ça s'appelle. Oh ouais, je crois avoir. Je sais pas comment ça s'appelle non plus, mais ouais. Pourquoi ils ont arrêté Midnight? Il a fait quoi? Je sais pas du tout, franchement. Bah, je suis pas sûr, mais je crois que je l'ai vu après, partir à fond. Oui, avant, les nouveaux bats, et directement ils arrêtent et ils menottent et tout. Hein. Et en plus, ils sont agressifs. Y a une américaine garée prête à partir devant Little Seoul. Il y a potentiellement des keufs qui vont venir. Ah. Donc on est sûr, oui. Nickel, venez vite à Little Seoul. Non. Il y a un camion qui arrive à le flot des 4x4. Ils sont là. On est derrière Little Seoul. Direction la place des Creux. Est-ce que vous arrivez à Little Seoul? On est là, nous. Ouais, je suis derrière. Vous me les encerclez maintenant. Vas-y, vas-y, vas-y. Encerclez, encerclez. J'ai eu un problème de tête. Ils sont juste au-dessus, juste au-dessus. Ils sont sortis, ils sont tirés. On n'est pas au-dessus. Kilos, c'est pas bouge. Bougez, 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 bougez. Ah, il y en a plusieurs, vous bougez tous. Tout le monde est ok, il n'y a personne qui suit. Est-ce que je suis le Buffalo? Non, c'est bon. J'ai rien entendu, il y a eu des boules et il n'y a personne qui a répondu. C'est demandé, je me trouve. Non, il y a quelqu'un qui est suivi. Ah, nous c'est bon, nous super. Personne, je pense. Ok, j'ai vu une voiture derrière et une voiture droite. C'était nous, ils ont commencé à nous suivre. Mais pardon, ils nous ont pas suivi. On a pas une petite attaque qui nous passait à fond là. J'ai eu un mot de tête au mauvais moment, il s'est passé quoi et on l'a encerclé, donc ça j'ai vu, et après ils ont trouvé son barré. Il a fait une petite marche arrière, il a commencé à ravancer, il a petite, je crois, la révolteur pour se dégager. Oh, il a suivi là-bas. Il y a le scout qui remonte en direction. Alors j'ai eu très peur parce qu'il y a le OG qui a commencé à défourailler avec du fil à pompe sur le scout, mais. En direction de la station essence en même temps, donc j'ai eu un petit peu peur. Il y en a un de vous qui est suivi. Kilo. Ah non, moi je suis ok. Ok, je croyais que t'avais vu avec la voiture juste au-dessus. Je crois qu'il y a deux voitures de police militaire qui sont sorties. Et un mécano. Flex, c'est moi non plus, on est pris, mais on voit une voiture au-dessus. Je vais quand même monter au niveau de votre drive pour voir si le scout y est pas allé. Et puis en même temps, je fais le plat. Exact. Mais le OG a touché quelqu'un ou quoi? Parce que j'ai cru voir du sang. Il a bien fusillé le scout. Après, est-ce que ça a touché dans le véhicule ou non? Je sais pas. Par contre, on est d'accord, le fait qu'il ait éclaté tout alors qu'il est braqué, pas ouf. Non, parce qu'il y a trois véhicules et puis à un moment où on a bien vu qu'on était au fusil à pompe, ouais. En vrai, j'ai surtout peur que comme il est foncé dans la station, qu'elle explose. Et nous, avec. Oui, aussi. C'est dit pareil avec Flex. Ça me tire dessus, ça me tire dessus. T'es où? On oublie. On oublie pas.
OG, une position, s'il te plaît. Près du garage public de... Comment Oh non, je vais pas toucher. Près de l'ancien endroit pour le interprète. Ok. Ok, on a vu. Oh, c'est le studio télé. Je suis obligé d'abandonner la moto. Il y a combien d'unités, quoi? Une unité, c'est pour un moment. C'est bon, ils m'ont pas envie, tu vois. On arrive avec la jugulaire, il nous faut une équipe de soutien en total. Ouais, je suis juste au-dessus, je suis sur la côte. Tiens, sur moi, il me suit. Vite, vas-y. Attends, c'est... Il a terre. Fonce, flex. Oh putain! Je suis tout seul en voiture, je suis en temps. Ça va pas? Ouais, ça va. Oh, j'en ai pris une dans l'épaule. Ah putain, sa mère! Je suis touché, les gars. Ouais, tu veux que je te dépose au quartier putain, je sais pas. La voiture elle est éclatée de façon flex, faut pas changer. Situation. L'OG est à terre, je suis touché, la voiture, la jugulaire est flinguée en 5 minutes sur le 3. Et les autres, je sais pas. Il y a moyen de vous extraire ou pas du tout? On est parti, nous on a réussi à se lever. Dans la petite rue, elle est au niveau des Crest Boulevard. Il y a encore des unités, combien d'unités là-bas? J'en ai vu deux en cas, une unité avec deux personnes et avec des gros calibres. Et après, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Je vois des feux des deux côtés et je crois qu'il y a deux unités des femmes de retour en tout cas. Il va falloir que quelqu'un me fasse un bandage à l'épaule. Je peux pas le faire, mais c'est maintenant comme ça, ils vont savoir. Oh là là, mais quelle connerie ce portail. Ouais, il me prend une voiture de quelqu'un, je pense. Et que tu es où? On est en quartier. Putain les bâtards. Oh putain, ça fait mal sa mère. Elle essaie de regarder où est-ce qu'elle a touché. Je crois que ça a dû ripper entre le gilet que t'as et. Ah c'est et possible, ton dos, j'ai mal au-dessus, ouais, j'ai mal au-dessus. Ah les bâtards. Au début, je pense qu'ils ont commencé à nous tirer dessus au neuf après la carte. Ouais, bah il y avait une banalisée. Au début, je crois que c'était l'un de nos véhicules. En fait, non, c'était une banalisée. Et puis, ouais, ça tire au neuf. Et je crois que c'est au coin de la rue en bas où c'était à la 4-3 où là ça. Allez, foyer. Ouais, c'est ça le problème. Je pense qu'il est là le truc. Ouais. C'est que là, quand on arrivait, ils étaient au neuf, mais le mec à la 4-3 il était plus bas. Ouais. Ah, la jugulaire elle est morte de chez moi. J'ai pas touché. Et viens de mettre, je sais pas où toi, qu'on va regarder un peu ta blessure. Je
J'avoue que le kéfier, ça peut être pas mal avec la tenue. C'est un peu chaud, mais bon. De quoi? Bah, de choper la partie du moment où il nous avait repéré. Et pourquoi ils ont coursé le OG d'ailleurs? Kilo, t'es où? Il a dit quoi? Je sais pas, j'ai juste entendu radio. On va aller jeter un coup d'œil au niveau des EMS. Et je suis un peu inquiété pour Gaz et il va bon coup. Comment c'est répondu? Je pense qu'il est en pleine hallucination. Mais je crois qu'il a dit qu'il était à la radio. Oui. mais il est en train de courir là, non? Mais il est parti où là? Il m'a fouillé. Et la partie tout d'un coup grange de mon temps et tout ça, tout ça. Wow, faire des bons. Et que je sais pas s'il faut aller voir à l'oblé. Et je m'inquiétais, White. Faudra aller jeter un coup d'œil aux AMS. Ok, vous et avez. Kilo, il a pas répondu d'ailleurs. Kilo? C'est pas récouché aussi. Il a raccroché. Il y a quelqu'un qui a les numéros de Dr. Orlov? Non. Quoi, j'ai même pas le numéro de l'EMS, ah ouais? Tant que ça? À mon avis, que c'est peut-être le seul à qui on peut poser des questions, qui va répondre un peu plus discrètement. Ah mais vraiment non.
Mais en plus elle est verrouillée. Oh, quelle connerie. De stress. Qu'est-ce qui est arrivé à lui demander s'il peut voir pour des nouvelles des White là-bas. Après j'hésite sinon à me changer et aller voir. Il suffit de choper pas les keufs. C'est pour ça qu'il répondait plus à la radio. D'accord. Après, qu'il. Ah putain, il s'est fait toucher aux jambes par balle. Oh merde. Moi je pourrais pour la OG. En plus, que je pars pour Jazz aussi, que c'est cognon que je dois le soigner et que je sais pas où il est bordé. Bah, je sais pas qu'il le comprenne. Bah je sais que... Non, je sais pas, que tout d'un coup je vais dire... Ok. Bien, reviens vite parce que tu me faisais peur un peu. Bah j'ai l'air. Ouais, okay. Non, j'ai eu un souci, ouais. Bon bah Miles, il est aux MS. Et... Pourquoi je vais pas s'occuper des toits. Il s'est fait toucher aux jambes. Ouais, il s'est fait tirer dans les jambes. Putain, va falloir vider les appartements, que ce soit le mien ou celui de Wade. Ouais, bon, tu peux te mettre chez nous. Oui, je vais faire évidemment qu'il faut qu'on s'occupe des toits déjà. Ouais, attends deux secondes. Ouais. Comment ça vider? Comment ça vider les carrés? Ouais. On va pas sonner chez toi, par contre. Ah, c'est de l'autre côté. Ouais, je crois que le OG il peut pas nous ouvrir là. Non mais Widow elle va nous faire rentrer après. Oh j'ai essayé de vous faire rentrer Verdo. Et Ressaï. Ok. Ah nickel. C'est bon, je suis rentré. Que j'ai pas pu prendre. Normalement, le reste, c'est bon. C'est bon pour la part de Wade. Bah, c'est bon, les photos des gens. J'ai pris du main. Ouais. Ok. Y'a rien là-dedans? Oui, d'oreille. Ok, bah c'est bon alors. C'est bon. c'est le 6 ou 7 celui de Jazz? C'est le 6, je vais le récupérer. Ok. Ok, bon, bouge pas, que ça va faire.
pas moins mal, mais peut-être la même chose parce que toi, côté vous, peut-être un peu moins. Tu es prêt? Ok, j'y vais, hop. Moi, j'ai un homme pour toi, ça m'a fait mal aussi. Ah, oh, j'ai fait. Deuxième, vas-y, ok, le deuxième, hop, et je tire, ok, le troisième, j'interviens, et le petit quatrième, hop, et pour. Ouf. Ça va trop mal, sa mère. Ah, je suis désolé. Je sais pas si j'ai pas fait ça comme un boucher. Vas-y, te mets pas par terre, même temps, bordel. Et. Attends, on va quand même. Est-ce que vous avez. Attends, qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce que j'ai des pansements ou quelque chose? Et. On peut te mettre de la glace peut-être? Oui, là, mais. Un peu d'alcool et des compresses, oui. Ouais, kilo. C'est déjà fait. En lui et sur lui. Et. Faut pas mettre d'alcool sur la plus ouverte. Non, c'est pas grave. C'était pour nettoyer. Ça désinfecte? Si. Non. Et enfin, oui, mais ça okay. Va laisser lui, mec, c'est pas bien. Ok, là, il y a. Ok, mais c'est. Il y a le pied qui vient de passer, non? Oui. Du coup, on va prendre ça. Oui, oui, on va prendre ça. Avec vous, et. Attends, je vais déchirer un bout de t-shirt et. Des Midnight, donne-moi ça. Hop, c'est pas grave, ça ira très bien. Ok, ah si, ok, muy bien, gracias. Ok, on va te mettre ça. Le Audi s'est fait combat par les keufs. Ok, les chevaux, c'est normal, c'est fait tuer dans les jambes. Et le scotch, attends, qu'il y ait du gros scotch ici. Et déjà, t'avais une balle dans l'épaule. C'est vrai qu'on va te mettre une balle dans l'épaule. Ok, je vais mettre ça, comme ça, et on va t'entourer de ces scotch. Ouais. Du coup, c'est comme tu vois qu'il y a de par devant ma droite, bien, non? Ça ouais, ça va, ça va. Donc il faut taper sur qui? Ben franchement, il y a un monde où ça dépend ce qui va être là, mais on va taper sur tout ce qu'on va trouver. Quand on était dans la commande, il y a compliqué d'avoir des infos. Ah putain. Allez, je peux pas faire mieux, je crois. Non, mais c'est bon, je vais aller me changer, ouais. Maintenant que j'ai plein. Bon, il y a du feu ici, j'ai au port jeter tout ça dans le feu. Ah oui. Hop. J'ai envie d'avoir des nouvelles de White. Il va pas pouvoir me répondre, je pense. Ah merde. Ah mais si vous en attrapez un, je saurais plus rien faire moi je pense là. Si, en plus que tu risques de te faire très mal. Oui, entendu ou quoi? Bah, comment ça va? Je suis en salle de réveil, ils m'ont pas pris ma radio ni rien. Il y a un monde où s'il va pas prendre dehors, non? Ouais, ouais, mais de toute façon, j'ai des balles dans les jambes, c'est bon. Oh, que merde! Le Audi, je crois qu'il est encore sur place. Côté, je l'ai pas vu partir. Et sur place à l'hôpital, tu veux dire? Sur place dans la rue, je pense. Il n'y avait qu'une seule ambulance et je suis seul à être monté dedans. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Il n'y avait qu'une seule ambulance et c'est seul à être monté dedans. Okay. Et dans quel coin qu'il a été appelé? T'as les gars, il reste des mules chez quelqu'un? Vous l'avez pas vu? Chez moi, il était à terre, c'est comme ça que je suis direct. Donc il était pas là, c'était dans une rue perpendiculaire là, en redescendant. Juste en dessous du parking du studio télé. Je vais aller voir si c'était vide. Mais attends. Avec mon quoi déjà? C'est qui lui là? C'est Ryu? Oh bah je suis. Oh là je suis tendu. Ah oui, non, je suis con, qui le sait pas du mal, oui, ça peut être que Ryu. Et
coffre commun, qui ont le vide aussi ou pas? Il n'y a pas de mine de deux. Non, c'était pour le vider et tout. Ah, mais du coup, là, pour les lignes calouges. Ouais, c'est une partie ou pas. Ouais, il y a des chances, ouais. Regardons ça. Ça me stresse, faut que j'y fasse que tu. Je pense que la petite raison va être bonne pour. Les tensions d'armes de 4-3. On va vider les deux, là. Ouais, mais y a pas écrit. Ah, par contre, il y a une possibilité qu'on le retrouve en prison, par contre. Pendant une heure. Putain, ça me casse la tête. Mais y a pas écrit s'il y a des perquisitions de possibles. Franchement, on a vraiment eu de la chance avec Flex parce que la voiture elle est. Ah oui, oui, là. Mort de chez mort, elle s'est fait cribler de balles, mais comme jamais. Ah, ils ont vidé un chargeur dessus. À la 4-3, ouais, on s'est fait rafaler, ouais. J'ai juste eu le temps de me baisser, je pense, c'est pour ça que ça a touché mon épaule, mais. Et moi, je suis passé entre les balles. Vous êtes 5, 6. Vous êtes 6 pour qui ça va bien? Ouais. Franchement. Ouais, vous savez, je peux une balle. Attendez un petit heure que ça se tasse, mais je pense que. Enfin. Franchement, chopez-en puis fumez-les, quoi. Là, on aurait dû se sauver avant que. Oui, t'aurais dû se barrer avant. 4 unités sur Eclipse. Hein. Et bébé qui arrive. Les mémettes qui arrivent, dis. Les mémettes. EMS. Ah. Bah ouais. Est-ce qu'on joue avec la loi ou pas? Bien sûr. Parce que. Dans la loi, il y a écrit que c'est l'annexe des peines qui prévaut. Donc techniquement, si c'est pas écrit dedans qu'il y a des perquisitions, bah il n'y a pas le droit de perquisitionner. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ce soit écrit dans la loi tout court que pour les perquisitions. Non, c'est vrai que s'il n'y a pas marqué dans la loi perquis, il n'y a pas de perquis, oui. Ouais, c'est sûr. Bon, c'est quoi? Je pense que je m'étais ennuyé à lire en entier, j'ai jamais vu un seul mot de perquisition, mais. Attends, pour par exemple. Ah! Ah bah non, bah voilà! Si, c'est écrit dedans en fait. Non, donc il n'y a pas de perquisition pour ça. Parce que par exemple, trafic de drogue et recel en réseau, perquise de groupe ou découverte de labo. Ouais, mais hey, il a dit qu'il a tiré sur eux tout à l'heure. Donc il y a monde, il y a tentative d'homicide. Non, faudrait qu'ils aient un UTT de plus de 30 minutes. Non,
Il y aura peut-être éventuellement une agression à l'armée par contre. Oui, ça c'est sûr. Ah, ils ont toujours pas pris sa radio. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont beau faire. Non, ça doit pas être un nom. C'est une BF 400. C'est une BF 400 noire, c'est un keuf, on va le niquer en vrai. C'est pas faut tout voir, mais selon toi, tu fais une BF400 avec un mec avec un casque au bol un peu là, c'est Walker du LCO. Je l'avais pas. Autour de l'ambiance, il y a. Ouais, donc ça va, ça. C'est un flic, quoi, apparemment. Et lui, il y a un monde où si je le croise devant toi, on est l'écrase. Qu'est-ce qui sonne? Ça ressemblait pas à une BF-700, ça ressemblait plus à. Du souterrain. Bon, bah. Il y a quelqu'un qui a sonné, mais j'ai pas ouvert. Les appareils pas eu. Bah, ça doit être. Jazzy, on prend une vidéo. Ah, ouais. C'est tellement. C'était la super avec lui. Vous avez fait super avec lui. Je crois pas. Sois prudent surtout. Ah, dis-nous où t'es. Sur la freeway. Sur la freeway. Des sabbatules. Je comprends rien de ce qu'il dit. C'est terrible. Ah, t'es où, Lucky? Ok. Station Clinton. Donc il doit aller vers l'ouest. Je descends sur Alta. Ah, vas-y, va à gauche là. Je fais le grand tour en carré. Vas-y, va tout droit. Est-ce que je sais pas percuter lui, ouais. Ouais. Ok, il va arriver en face là. Là, en face.
Petite interception quand tu repasses. On reprend le même chemin que juste avant. Donc oui. Je sais pas, mais il devrait revenir par là où il était passé juste avant. Ah, il y a une buffalo qui vient se rajouter. Oui, c'est de la voir. Ah oui, ils sont là derrière. Il y a la buffalo qui suit aussi, mais elle est loin derrière. Et il y a la BF aussi. Et la BF, il y a un mot vraiment vieux. Si on est interdit, on va se refumer avec ça. Ouais. Bah, sauf si on arrive à faire un pit suffisamment propre pour qu'on les mette en état de nuire. Qu'on puisse se tirer. Quoi. Je vais faire le plan de développe parce qu'il y a plus de sauce. Ouais. Et on va essayer de faire un truc. Là. Parce que c'était la moto qui allait sur la ZMS. C'est toi Jazz qui sonne? Bon, entendu que c'était Willow. Merci, René, grâce à ça. Oui. Et que tu as un message qui est de beau. Oh, ok. Donc je peux, même s'il n'y a rien dedans, que je peux mettre mon flingue là. Hein. Il y a des gens près de moi ou pas? Ah, t'es où là? Oh, il était pas mal chaud dans le coffre. Mais taisez-vous. Je suis devant la Pika, sur la Pika de Pika, on est à côté. Les gars, au garage, il y a la BF. Ah, on est pas très loin, on est au niveau de la station essence Clinton. Ah, on a fait le plan, on arrive. Essaye de remonter vers le nord du casino. Midnight, c'est là. Mais je suis dans le 4x4 avec Flex. Juste petite question, si vous pouvez me confirmer si le mec tout à l'heure qui était au Black Lantern et qui répondait pas pour ses commandes, ça implique. Je pense au même, mais au King dans. C'est lui qui est en BRT, moi qui tourne, je crois. Il avait tout au garage. Pas du tout. T'es où Lucky? Ah bah il est là. Il faut l'autre qui est passé dans le garage et qui monte direct maqué. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah il est reparti de l'autre côté demi-tour, il est parti à vers la Pacifique. je vais demander ce qu'il a dit. Il a dit quoi? On est dans le tapeur pacifique. Là-bas à droite. Attends, on a trop de retard, ça me fout. J'ai fait sûr d'avoir reçu tout à l'heure. C'est un deuxième scout ou c'est... Scout il t'a lâché. Ouais. Et la Buffalo a tourné vers la Super Clinton.
Ah, il a deux buffalo. On va essayer de prendre des petites routes, Lucky. Prends les petits chemins de travers. Après, les quads, c'est horrible. Avec le quad. Ouais. En face, tout ce que je verrai, c'est vraiment leur faire des pits, quoi. Sinon, il va jamais s'en sortir. Faudrait. Un deuxième, il va faire quoi? Il va tout fumer, ouais. Faudrait un deuxième, un gros véhicule pour qu'on pite les deux en même temps, en fait. Y a pas moyen d'avoir des renforts, les gars. Position. Ah, on tourne au niveau de Clinton. Surtout que je vais avoir un problème d'essence là si ça continue. Ouais. Faut faire vite. Ah, il y a de nouveau la BF au niveau de la Pacifique. Ils ont arrêté le qui. T'as plus d'essence le qui? Ils sont deux unités sur le qui, c'est vraiment compliqué. Il y a la BF qui tourne aussi. C'est pour ça que j'ai pas osé taper, ouais. Parce que j'en tapais un, j'allais me faire rafler pour le deuxième. Ça va, les gars? Il y a la BF en face. Il s'est fait toper et après, en vrai, je sais pas s'il avait un sur lui, mais je pense que ça ne craint pas grand chose. Ah non, on n'a eu aucun souci. Ok, ça marche, après qu'il n'y a pas voulu faire. On n'a pas vu la même chose. Il y avait les deux qui étaient arrêtés au niveau des Loki.
militaire en plus, c'est à côté, enfin, vers les unités des Loki. Oui. C'est bon. Ouais, est-ce qu'au garage on coupe dans l'aile, oui. De quoi? Je dis on va aller dans le garage, j'ai l'impression qu'on a coupé dans l'aile. C'est bizarre la première. C'est les légis, c'est ça? Oui. Voilà, peut-être pas un coup dans l'aile finalement. Pourquoi elle freine pas, oui? Non, non, il a pas dit que c'est une vitesse, monsieur. C'est plutôt pas mal, hein. Voilà, définitivement pas un coup dans l'aile, oui. Oh, 220, je trouvais ça plutôt pas mal, hein. Ouais, bah, sa vitesse, quoi. Oh, il y a un radar, là. Ah oui, non, ils sont pas en route. Je suis pas pressé qu'ils soient en route. Ah ouais, non, vraiment pas. Ouais? Oui. Non, mais ma tête. Ouais, d'accord. Genre là, par contre, tu vois. Là, par exemple. Je suis passé à travers de moi. Non bah non, je vais taper sur le côté, mais j'aurais compris là que t'aurais fait un tête à queue, mais avant il n'y avait rien. Hein? J'ai un truc à péter là. Il y a une dépanneuse là qui vient de passer. Je l'ai vu percuter la carcasse là. Non, ça. Ah, ouais. Ah. Ah, ouh, c'est bon, vas-y. Ouais, je peux lui. Je peux l'arranger. Ah, t'as cassé le garage. Bon. On a toujours pas de nouvelles de des deux autres d'ailleurs. On avait le OG, il doit être en interrogatoire. Putain, mais il est pas revenu le garage, ça. Tu veux que je te sorte quelque chose? Quoi? Tu veux que je te sorte quelque chose? Bah là, non, en vrai. Je voulais voir s'il n'y avait pas le. Putain, il est où mon. Il est là, le moustique? Je vais dire ça. Ouais, il est là. Bah, vas-y, sors-le, voir s'il va bien. Ok. Voilà, moustique.
s'il va bien. Oui, j'ai l'impression. Attends, normalement je devrais pas conduire par contre, je pense. Ouais, t'as... T'as mal à la tête. Ouais, ma tête, ouais... Les personnes de sa forme. Wesh, wesh. Oui. Oui. Bah, surtout celui-là, en fait. Lui, vraiment, faut pas que je le conduise. Tiens, vas-y, je te le passe. Alors là, les braquages contre braquages, ça peut être possible. Où est-ce que tu veux aller? Ça fait quoi l'équipe? Pour l'instant, on est au quartier. Ah bah, ouais, là-bas. Oh non, je l'avais évité. Mais il y avait des sirènes, bordel. Bah oui, mais... Ah, ça va? Ah bah j'ai freiné, et puis quand je vous ai vu, bah j'ai essayé de tourner pour vous éviter. Non, nous ça va. Ouais, ouais. Bonne soirée à vous aussi. Ouais, comme Kilo, toi, il y a des sirènes, je fonce dans tout ce qui bouge quand même, quoi. Mais pendant que je parlais au médecin, j'ai vu ce truc-là, mais pourquoi en fait? Il est retourné. Ah ouais, non, mais je l'ai vu justement arriver, je me suis mis debout sur les freins, j'ai vu que je pourrais pas éviter. J'ai fait un dérapage et je pensais l'avoir évité. Mais sirène, tu ralentis, t'observes. Ah bah oui, bah j'ai ralenti. Mais mon cul, bah oui, là j'ai essayé de regarder à droite à gauche où ils étaient et puis bah ils étaient pas là où je pensais qu'ils arriveraient. Comme Kilo tout à l'heure, il a failli me péter le cul, mais il a klaxonné, oui. Bon, au moment où il a freiné, où il a vu qu'il allait me péter les fesses, mais. Hop là. C'est rangé. Midnight, alors, on vient d'arriver au quartier. J'en ai le principal. Ok. D'abord, j'ai pété le clou là. Et qu'est-ce qui t'arrive? Et à mon prêt, peut-être qu'on peut y aller à 4 ans. On paraît faire des soupérettes avec Rio. Je sais pas si ça vous intéresse. Histoire de pour m'échanger les idées. Oh ouais, ça peut être intéressant. Et ça me fait stresser toutes ces histoires et que ça m'énerve. Alors autant. Allez, je vais poser une question. Peut être intéressant ça aussi. Et me changer. La normalité, je te pose la question. Voilà, c'est philosophique ça. Ah, mais j'avais que 12 balles, moi. Ah, d'accord. Oui, quoi? Attends, comment ça? Une hein place? On le met dans le frigo? Pas appeler les docs sinon Widow pour savoir ce qui se passe, oui. Ben, que c'est le problème, c'est que j'aurais bien voulu appeler les docteurs Lord, mais j'ai pas de problème. Il va être joli le flingue. Et par au final, ce qu'il me disait, c'est que je suis pas censé savoir. Après, je peux toujours essayer de les appeler, dire que j'ai pas des nouvelles de une personne et que je m'inquiète de savoir s'ils ont pas un patient de ce nom là à l'hôpital. Ouais, dans ces contacts d'urgence, ils ont bien le droit de dire attention. J'ai rien compris ce que toi dis. Si t'es dans tes contacts d'urgence, t'as bien un bon enfant, non? Alors, si je crois que je suis dans des contacts d'urgence. Bah, j'espère. Mais que comment? Pour que j'ai la jouvine et pas que je sache, mais plutôt que je pose la question s'ils si ont pas quelqu'un. Ça fait un moment qu'il répond plus à la radio et au téléphone, puis voilà, c'est réglé. C'est mieux à faire ta
s'il y a le moindre problème sur votre sub, vous nous appelez. Hein. Vraiment, en cas de vraiment gros problème. Oui. Bah, d'ailleurs, je vais chercher Widow. Widow, oui, c'est bien ça. Faut que je récupère un lockpick, je suis con. Un peu de biche. Et un lockpick. Zou. Hop, bon bah j'ai un pelvis sur le pic. Si jamais. Ok, donc attends, je vais prendre juste, j'écris un message à l'hôpital. Et j'ai plus de nouvelles d'une personne et mes proches depuis un moment. Et c'est que c'est possible de m'appeler pour m'assurer qu'elle... Après, j'aurais peut-être mieux fait dépasser, non? Non, tu... En fait, dans ton message, tu vas juste appeler moi, s'il vous plaît. Merci. Ok. Ça, ils vont t'appeler et là, tu vas pouvoir leur dire ce que tu veux. Ok. Et du coup, on a quoi? On a, il nous faut deux log, et trois logbics, un appareil de piratage et un pied de biche. Parce que je vais rechercher deux logbics et un appareil. Donc là... de la pique et l'appareil. Ah. J'ai dû la prendre qu'une fois et je suis vraiment pas. Moi c'est que je la prenais pas. Moi j'aime bien mais pas soir. De quoi 4, donc ça change tout aussi. Et parce que je disais que moi, vécu la 4 places, que j'ai que la VSDR, mais VSDR, que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire des épées, gracias. Et mais qu'il y aurait sinon la Sultan, sauf que la Sultan, je suis pas tout au ah, bon. Qui tue l'appareil? Pour n'importe. Ah, c'est oui, de toute façon, on va s'échanger entre les pieds de biche et voilà. Okay. Oh, tout le monde a un lockpick, c'est bon. Et coucou, comment ça va? Ça faisait longtemps. J'ai même deux lockpicks. On a deux lockpicks. Pourquoi t'en as deux? Bah je sais pas. Et peut-être que j'en avais déjà un, c'est possible. Et je suis un peu stressé, du coup je... je regarde pas tout ce que je fais. Oh bah ça va très bien. Et du coup... Une soirée plus que parentable on a fait ce soir, mais... Tiens. Cadeau. Et tu vas pas aller les reposer avec le tien. Oh putain, ouais, du coup j'en ai trois maintenant. Ah, c'est bon. Ouais, Et du coup, que tu sens des contre la Sultan, sinon moi je conduis. Ouais, bah, je peux conduire si tu veux, okay. Pas de soucis. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des bêtises. bon, si tu dois savoir, au vu de ce qui s'est passé hier. Soirée préparation du JT, ah ouais. Au vu de ce que nous avons fait hier, bah ce soir on voulait taper sur des flics. Sauf que c'est plus eux qui nous ont tapé dessus que nous qui avons tapé dessus. Il y a le OG qui était avec son fusil à pompe qui s'est fait coucher. Il y a Kilo qui était avec un 9mm qui s'est pris des balles dans les genoux. On a... Alors ça c'est un peu chiant, on a Lucky qui a eu un mal de tête pendant une CP donc il se fait choper à cause de ça.
Et puis là, okay. Histoire de continuer sur la bonne lignée, on va aller faire une sup. Là, on va partir sur des sup. Et on va très certainement se faire choper. Et je crois que je serai inscrit sur ton dossier médical et si jamais on a des problèmes. Et d'ailleurs, je suis étonné qu'on ne m'ait pas appelé maintenant que vous me dites que c'est comment à l'hôpital. Ok, ah, il n'est plus à l'hôpital, ok. Oh, ok. Ok, mais vous me dites qu'il est hors de danger et que tout va bien. Ok, il a pas perdu des membres, rien du tout. Ok. Ok, ben, mon mieux, grâce à ce docteur, en tout cas, merci de m'avoir répondu, je m'inquiétais vraiment. Oui. Ok, ok. Mais au moins que comme ça, je suis rassurée. Parce que j'ai eu peur que j'en sais rien, qu'il soit arrivé quelque chose. Je me disais, j'ai plus de nouvelles, que j'arrivais pas à l'atteindre. Et que. Oh non, que ça fait un moment et. Ok. Ok, bon, que c'est gentil en tout cas. Grâce au docteur pour vos réponses. Et bon courage à vous. Et adios. Ouais, ok. Donc il doit être au commissariat et qu'il se fait tirer dessous. Salut. Et qu'on va faire une soupérette en attendant que. Ouais, on va comment ouais. Qu'il s'occupe des esprits. Que je viens d'avoir l'hôpital. Et que Wade se fait tirer dessus donc. Mais oui. Qu'il est hors des dangers. Le médecin m'a dit qu'il avait pas de petits bouts en moins, rien du tout. Et que là, il doit être au poste de commissariat qui vient de finir à l'hôpital avec lui. Au poste de commissariat. Okay. Soit au commissariat, soit au poste de police, mais pas au poste de commissariat, ça marche pas. Au pire, comme on dit, de toute façon, qu'on va faire attention, mais là, on n'a pas d'armes, on est là quoi. Non, non. Et il a dit qu'il avait un œuf, le rêve, il avait pas de œuf. Hein. Moi je m'en souviens pas qu'il ait tiré dessus avec un œuf. Non. Non, oui, normalement il avait pas de œuf. Ouais, lui on n'avait pas d'œuf. Ouais, donc c'est ce que je pensais. Parce que pour lui, il avait un œuf, il s'était fait tirer dessus avec un œuf. Attends, le Victor Samand, c'est quoi de couette? Ouais, donc lui bien. C'est que de cheval? Je me rappelle bien la rediscute. Oulou. Puis vas-y. Ah non, mais le problème vient de mon casque lui-même. Ah oui, pas d'allier. Quel est le problème? Attendez, avant de commencer, deux petites secondes dans ma tête. Je vais me positionner, mais... Faut que je regarde un petit truc. Je reviens tout de suite. Attends, le casque, je crois qu'il s'est débranché.
c'est chiant. Je crois que j'ai mon casque qui a rendu l'âme. Bon, bah. Je vais vite fait me faire la sup comme ça. Ah ouais, d'accord. Toi. Bon, bah, je vais aller faire la TM. Quand vous voulez. Ah ouais, mais je les entends plus. Pourquoi je les entends plus? Oh, c'est terrible. Ah mais non, ça va pas le faire, ça. Ah la lumière. Ah, c'est terrible. Oui. Ok, c'est bon. C'est le port USB derrière qui faisait des siennes. Bon. Je réentends. Bon ben, pour l'instant, tout va bien. Vous parlez pas ou je vous entends plus? Ok, je pense que je vous entends plus. Essayez de parler pour voir. Ok, c'est bon. Parfait. Je vous entends. Ah. Voilà, maintenant ils sont là, je crois. Ah merde, ah non, c'est terrible ça. Ouais. Ah, merde. Attends, je dois qu'on l'ait au clavier, je crois qu'il y a une manette qui s'est déco. C'est terrible. J'ai tellement pas l'habitude. Convaincu son journaliste. Hein.
Ah oh bah j'ai loupé. Quoi? Ouais. Oui, non. Pas compris là. Hein. Ah ouais. J'étais solide ce lampadaire là. Quoi, on a un scout une buffalo? Attends, mais ça a pas freiné? Mais pourquoi ça a pas freiné? Mais j'étais debout sur les freins, ça a pas freiné. Bah oui, ça a pas freiné. Attendez, je suis coincé. Attends, c'est bon. Là, je suis plus coincé. Ah oui, attendez, sirène. Ouh là là. Quel mur? Il y a plein de murs. Il y a trop de murs. Allez, bon, bah, je vais me mettre là-bas. Voilà, je me mets ici, je suis puni, j'ai compris. Ah tiens, voilà, au coin, là-bas. Voilà. Voilà, je suis puni, je suis au coin. Ah bah non, il m'a dit je suis puni. Ouais, le bandana. Ah, oui, alors attendez. Hop. Hop là. Voilà. Oui, non, oui, c'est. Oui. Attendez, tant qu'à faire, on va faire ça aussi. Et voilà, parfait. Oh non. Oh non, je fais jamais n'importe quoi, moi. Je suis sage. Bon, très bien, vous. Alors, j'ai pas compris, ça a pas freiné. J'étais debout sur les freins, ça a pas freiné. Non. Non. Possible. plus. Oui, j'ai absolument rien compris ce que vous avez dit. Ah non, ça va. Non, c'est bon. Non, je le connais pas. Ah ah. Comme ça. Je lève les mains. Ouais, vous m'avez même pas demandé s'il y avait quelque chose qui pourrait vous blesser sur vous. C'est pas bien, vous avez mal fait la procédure. Oh là là, c'est terrible. Attention au couteau, attention à la hache, attention aux clés, attention aux petites biches. Les briquets. Oh, ça pique. C'est quand même pointu. Quoi? Oh. Mon couteau suisse. Ouais. Oh là là, c'est terrible. Il est en train de me mettre tout nu. Non. Garde à vous. Dans la voiture. Ok. Dans la voiture. Bah, vous êtes dans la voiture? Je vais dans la voiture. Il dit dans la voiture et après il me dit non, pas dans la voiture, moi je comprends plus. Ok. Voilà, je suis dedans. Oh là, il est colère. J'ai plein mal au bras, je peux les baisser? Ah. Alors, oh là là! Mais c'est un vrai frigo votre coffre, monsieur. Ah bah d'accord, mais c'est pas le frigo, c'est la voiture de police. Alors ça. Qu'est-ce que je dois déposer d'autre? Ouais. Alors ça. Vous êtes allergique aux œufs ou pas?
Ça peut être dangereux si vous êtes allergique. La radio, je garde? D'accord, la radio, je garde. Ah bah faut savoir, me dit de tout déposer. Oh là là, faut être... faut être sûr de... Ah bah attendez, sinon je peux pas être à la radio. Hein. Oui, moi j'ai 5 fruits et légumes par jour, c'est ça? Quoi, 2h du matin? Oui, pas 2h du matin, il est 22h. Non, attendez, j'ai pas bu, j'ai pas mangé. On mange un petit bout. On boit un petit bout. On vérifie, est-ce qu'on a tout déposé? Normalement, on est bon. Et puis, pas les bonbons de Loki, hein. Ah non, c'est pas la bonne. Attends pour moi. Non, c'est pas celle-là. Oui, c'est celle-là, celle-là. Ah oui, mais après, il n'y a plus personne qui pourra conduire, hein. Bon bah je reste ici, hop là. Ah là ça c'est un scout, c'est pas insultant. Ah oui. Ouh c'était compliqué. Laquelle? Il y en a 4. Ah ça va. Ah bah non, non je peux pas ouvrir la porte hein, c'est... Ah bah mais pourquoi je suis là-bas moi? Attendez. Je vais me reglisser de ce côté là. Bah oui, bah je sais pas. Ah ouais merci. Comment ça il va rentrer dans tous les murs? Faites attention, elle a du mal à freiner j'ai l'impression hein, parce que j'étais debout sur les freins, ça a pas freiné. Bah voilà, il a tout cassé, super. Ah mais non, la porte elle est ouverte là. La porte elle est ouverte. Bah d'accord, un policier connaît même pas où est son PDP. C'est terrible. Bah j'y suis allé quelques fois, oui. Bah il manque une porte là-bas. Ah non, ah non, votre collègue elle a loupé, c'était là à droite qu'il fallait aller. Bah moi non, mais la voiture peut-être un petit peu. Et le scout aussi je crois d'ailleurs. 3. Pourquoi la garder 3 heures? Pendant 3 heures, c'est long 3 heures. Oh, il y a peu de chance qu'on nous la vole. Hein. Ah non, c'est pas là le plus proche. Ah ouais. Oulo, c'est quoi cette discothèque là? Ouh, j'ai terriblement mal à la tête. Oh là là, elle est même pas fermée, attendez. Hop, elle... Ouh, c'est bon, c'est fermé. Mais pourquoi 3 heures? Ah ouais? Pourquoi il n'est pas noté lui? C'est quoi ce trait de favoritisme? Ah bah d'accord. Bon, il est noté. Il a réussi à se détacher. Il est trop fort. Tout ça parce que je suis noir. Par contre... Il a pas un problème le visage de Harper? Il a l'air tout ripé. Même pas.
Il y en a encore qui sont passés dans la maille du filet. Vous êtes trompé. Bonsoir. Allô, G. Côte la grille. Hop là. Ah non, il en manque un. L'OG, il est tout seul. Faut pas laisser l'OG tout seul. Allez, c'est parti. En avant. Alors, un peu de Tetris. Ah, peut-être partie de Tetris. Start. Je vais gagner. Allez, l'écran. Tout ce que j'ai. Ok. Alors, le permis de pêche, mon argent. Ah oui, si j'y vais. Non. Clé, le briquet, mon téléphone, ah, la radio, pied de poulet, mon œuf, on met le t-shirt, on met les chaussures, et hop là, et on met le pantalon. Bah c'est bon, j'ai tout déposé. Oh! Bon, il a dit de tout déposer, j'ai tout déposé, moi. Ah, ça, moi, ça. Non, c'est dans, oui, c'est dans votre voiture. Ouh là là, oui, faut pas que je l'oublie. Allez, hop là, on fait comme ça. Alors, non, mais pique mon lockpick. Je peux récupérer le lockpick pour tirer le... j'ai pas compris. Ouais, si vous voulez. J'ai le droit de garder le café quand même. Levez les mains. Ah levez les mains. Hop là. Levez les mains. d'accord. Ah, oh bah non, celle-là. J'étais dans celle-là juste avant. Mais vous êtes sûr, c'est 3 heures? Il y a une différence d'une heure, quoi. Oui, oui, non, c'est... oui. Alors, non, n'essaye pas, c'est des folies. On n'arrive pas à grimper dessus, c'est pas possible. Quoi? Mais quoi? Mais quoi t'as fait? T'es trop fort. Ah non? Par les chiottes? Hi. Ça marche pas? Au plus haut? Là? Essaye? Comment tu fais pour passer sur les chiottes? Hein? Bah ça va, non? Ah si, ok. Hi! Ah non! On est allé, il y a pas cassis. Oh, j'ai réussi! Trop fort! Oh! J'ai entendu des coups de poing, la bagarre! Ah! On n'a pas entendu! Et vous arrivez quoi, votre visage? Vous allez avoir tout griffé! Je crois qu'il s'est fait cramer la tête, Harper, non?
Ah non, c'est pas lequel. Ah, vous aimez bien le modical, vous? Ah, oh bah ça vaut de me dire. Bah si, je pourrais contester. Bah oui. Ah bah alors, déduction. Bien joué. Je vais l'appeler Sherlock maintenant. Ouais, au revoir. C'est un très bon enquêteur. Ah, c'était pas fini. T'as eu. De récidive? Ouais. Ah bah oui. Ah, c'était 23 h. Je vous excuse. Ah, 3 h de récidive, ouais. Bah non, il conduisait pas. Bah non, il conduisait pas vu que c'était moi qui conduisais. T'aurais au plus moins dire que tu faisais tes courses. Ah oui? Exactement. Il retirait de l'argent. C'est mille. Oh là là. T'es un grand délinquant, toi. Comme tous les jours, oui. Vous avez arrêté pourquoi? Ah bah d'accord. On est en plein interrogatoire. Vous voulez rappeler ultérieurement. Au sol. Vous êtes d'accord avec. Je comprends pas la question. On a braqué une supérette à l'ATM, dès de suite. Ah oui, aussi, oui. Non, pas nous, le métallogie. Est-ce que l'escalade de la violence, ça nous dérange? Bon, ça dépend ce que vous en faites. Ouais.
Ah ouais. En effet. Comme des policiers tout à l'heure. Il y a des jours avec et des jours sans. Si on peut bosser, hein. Le fait de pas se faire choper. Oui. Bah non, c'est réaliste. On tire sur des gens non armés. Non, je suis pas d'accord. Non. Vous savez de quoi je parle? Bah, quoi vous pensez? Possible. On passera dans les deux sens. Je suis une moto. Je rentre à quelle heure moi? Allô?
Qui a été blessé chez vous? Ah oui, non. Alors, est-ce que c'est moi? Mais il me demande de parler moins fort, mais il gueule comme pas possible. Désolé. Il dit Monsieur Pelardon. Mais je suis pas Monsieur Pelardon, moi. Bah non, mon nez. Ah, donc attendez. Donc on prend pour les autres. Bon, ça, je sais pas. Bon, bah, ça, j'ai l'habitude, j'en veux dire. Hein. Le nombre de fois qu'on m'a saisi les voitures, j'ai arrêté de compter. D'accord. Wow, extraordinaire. Un geste? Ah ah. Bah oui. Oui, non, c'est pas... surtout pendant une heure, vu l'heure qu'il est, on peut faire grand chose, hein. J'ai pas braqué une supérette, moi. C'est pas la mienne. C'est celle de Jazz. C'est celle de Jazz. Ah oui, non, 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 c'est pas celle des rêves, non. Hop là, libéré. Ah, avec rien vu qu'il est... Oui, avec ses doigts. Vous pouvez regarder avec ses doigts. Ah bah oui, c'est peut-être assez des griffes. On va t'appeler Wolverine. Ah bah merde, oui, je peux pas payer, j'ai pas mon téléphone. C'est terrible. Oula, attendez, oulala. Ah ouais, non, ça, non, non, ça ira. Bon alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, c'est terrible.
Parquet, que je le remercie. Ah, terrible. Ah oh là là, c'est pour ça, je me disais aussi c'était bizarre que je ne le voyais plus. Donc faut vous envoyer à l'hôpital pour que vous preniez un petit peu de temps libre. C'est terrible ça quand même. il a dit quoi, monsieur Black? Ah, attendez, j'ai pas récupéré mes affaires parce qu'il y avait une amende qui était en train de... Alors, mon permis de pêche, mon argent, petite clé, le briquet, le téléphone, la radio, la pièce de poulet, et mon œuf pour bonheur, c'est bon. Ah bah si vous voulez, moi je récupère la voiture, hein, pas de soucis. Ah bah oui. Tiens, d'ailleurs. Ah, c'est fermé. Top. Par le garage. Non, 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 ça monte beaucoup trop. C'est terrible la pente. C'est même plus une pente, c'est une côte, c'est une montagne. non, elle est bleue. Alors, alors le couteau, le pistolet, la herse. Non, hein, quoi? C'est bon, tout récupéré. Il a quand même vérifié, hein, il a cru que j'allais le prendre. Bah, c'est surtout que. Ah non, il n'y a pas de caméra ici. Oh bon. Ouais. Peut-être que vous pouvez le confondre par autre chose, hein, si je le mets pas dans ma poche. Ça aurait été un fusil à pompe, ça aurait été plus compliqué par contre. Parce que là, ça peut... Oui, non, là, ça peut pas être... Oh, quoique... Ah, radio. Toc. Jazz, faudra que tu récupères ta voiture dans une heure au PDP. Non, dans une heure. Oh là là, t'as vu, il m'a dit dans une heure et puis maintenant il passe à deux heures, c'est terrible. Oh là là. Ah, à la parole des policiers, c'est terrible. Trop tard. Vous êtes Clément? Ah oui, pourquoi? On était gentil. Ah bah voilà. Non, pas touche à mon nez. Attention, hop là. C'est bon, il est caché. Ah bah non, oui, non. Oui, non, mais je pensais que j'avais un bandana, mais non, j'ai plus de bandana. C'est vrai. Pendant 3 heures. Oh là là. C'est long, 3 heures. Ok, les bon 12. Ah bah ça, faut qu'ils sortent de l'hôpital pour discuter. Ah! Vous parlez de ce Bronson là? Ah oui, attends pas moi. Hey, petite question. Qu'est-ce qu'il a tapé Harper? Je sais pas, il m'a dit qu'il s'est fait passer à tabac. Oh, terrible. On a tiré, nous? Attendez, répète la question.
Là j'ai un bug. Vous ne connaissez pas ce que fait votre chef. Si je conscience. Oui, oui. Ouais. C'est qui ce Clément? Je le connais pas moi. Ah. Ah, on nous attend dehors. Ah, bonne soirée à vous. Harper, c'est qui? Oh, terrible. Oui. C'est possible. Mais ça aurait été plus simple pour pas de vous. Oh là là, c'est terrible. On ressemble à rien. Quoi? Oh là là, mais c'est terrible, je dois rentrer à pied. Sur un malentendu, la voiture qui est là-bas n'est pas verrouillée. Bon, sur un malentendu, ça devant un PDP, c'est un peu compliqué. Ah oui, attendez, je vais demander. Excusez-moi. Il sort dans combien de temps le OG? Quoi, il est déjà parti? Un interrogatoire. Alors, ils me disent que si je vais me coucher et que je me réveille, il sera là. En termes horaires, ça donne quoi? 6 ou 7 ans, on m'a dit. Ça fait long quand même, 6 ou 7 ans. On m'attend en bas? Ok, c'est parti. Ok. On m'a dit de tenter, je tente. Ah bah j'ai raté. Je me suis mangé le truc. Oui, alors il y a un petit problème gouvernemental. Vous êtes au gouvernement? Vous êtes le gouvernement? Ah ouais? Et techniquement, non. Je me suis pas intrusé parce que vous m'avez donné l'autorisation. Oh bah, faut aller dormir un petit peu. Mais je veux bien y aller, mais il y a que 4 places dans la voiture. Donc je suis à pied. Bonne soirée. En fait, oui, vous avez juste des pas. Oui, hein, alors, non mais oh, moi je vais parler à l'accueil qui n'est pas l'accueil. Ah bonjour. Bah j'étais en train de discuter avec les policiers vu que j'étais tout seul. Et j'ai tellement fait chier Harper qu'il m'a menacé de me mettre agression morale. Bah, je lui ai demandé de me dire qui lui avait fait ça pour que je le remercie, mais il m'a pas dit. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Là, j'ai dit ça. Ah, merci.
Bon bah je pense qu'au vu de là, je vais aller me coucher moi. Ah ouais. Je crois qu'il y a deux portes qui ont failli passer. Bah oui. Il avait l'air d'aller bien. En toute légalité. Oh, c'est comme moi. Est-ce que je cautionne la hausse de violence? Bah, j'ai pas répondu. Par contre, je vais aller me coucher, je pense, vu l'heure. Bah, bonne soirée à vous, bonne nuit. Et à demain. Ah non, par contre, j'ai pas compris sur la CP. Là, j'ai vraiment. Bon, je joue au clavier, donc j'ai pas l'habitude. Mais je me suis mis vraiment debout sur les freins, ça n'a pas du tout freiné, ça est parti tout droit. J'ai pas capté. Bon, bah, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne nuit. Et je vous dis à demain. Demain ou tard, ouais. 21h, quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce que, bah si, je sais ce qui vous voyez chez le OG pour suivre ses aventures à plein bonsaï. C'est parti. Bonne nuit tout le monde.